Bonsoir les gars, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Bon les gars, c'est compromis. On a plus de 30 likes ici. Regardez, on a 51 likes. Donc, ça sera le tirage au sort. Donc les gars, merci beaucoup pour les likes et les commentaires. Vous êtes super, super gentils. Franchement, vous êtes super gentils les gars. Merci beaucoup pour les likes et les commentaires. Donc les gars, la... le truc là, le concours, c'est à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Bonsoir, bonsoir les gars, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien, pour ma part très très bien. Bon les gars, aujourd'hui je vous montre une astuce Kama encore une fois à la mode, de chez à la mode. Mais avant de commencer, j'ai quelques preuves de vente à vous montrer, vraiment sympa. On va commencer tout de suite hein. On va commencer par Amulette de Sinistrofo à 3 millions plus deux chansons mineures, voilà. 3 millions, presque 3 millions 1, ça fait plaisir. Robust mineur, bon, de toute façon les gars, les trophées c'est connu, ça part, il n'y a rien de spécial. Donc Robust mineur à 306 Kama, donc voilà 306. On a épée du grand duc 2 millions. Griffe rose les gars, très 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 bon astuce Kama BL, vraiment les gars, j'adore cette astuce Kama. Le craft coûte 60 000, 70 000, et tu vends ça à 250 000 Kama, franchement super super astuce Kama à faire. Donc griffe rose à 250 000 Kama x 2, donc ça fait 500 000 déjà les gars ici. Plus épée du grand duc à 2 millions, donc on a pour 2 500 000, ça fait plaisir. Encore une fois les gars, griffe rose, la dernière fois je crois j'ai crafté 10 ça. Normalement j'ai tué vendu, je ne sais plus, mais bon on s'en fout. Voilà, 16 de ravageur les gars, j'ai vendu ça en même pas 30 minutes les gars, les deux en même pas 30 minutes, regardez, 7 millions 2, donc ça fait presque, je crois, je suis pas sûr, presque 2 millions de BNF là-dessus, ça fait vraiment plaisir. Franchement, très très bon astuce Kama à faire. Donc quoi d'autre? Ça c'est pour la dernière astuce Kama que j'ai montré les gars, donc voilà la preuve. De toute façon, toutes mes astuces Kama marchent à 100% sans aucun problème. Voilà, on a quoi d'autre? Coiffe du compte à rebours, 2 millions, presque 2 millions, ça fait plaisir. Franchement, ça fait vraiment plaisir. On a quoi d'autre? Griffe rose, les gars, 250 000 Kama. Épée du grand duc, encore une fois, j'ai baissé un petit peu les prix, mais c'est presque 200 000 Kama. Enfin, 200 000 Kama, 2 millions de Kama. Et on a encore une fois griffe rose. Donc les griffes roses les gars, très très bon astuce Kama encore une fois à faire. Donc voilà. Quoi d'autre? Voilà, griffes roses les gars à 250 000 Kama, donc ça fait 500 000 Kama. Plus Dragon Dent, Emeraude et Ivoire, 450 000 Kama, presque 1 million, ça fait plaisir les gars. J'aime bien griffes roses les gars, ça part très très bien, putain. Et voilà, c'est tout les gars pour l'astuce Kama, c'est tout pour l'épreuve de vente. Donc allez, on passe à l'astuce Kama directement aujourd'hui les gars. Je vous montre une astuce Kama vraiment vraiment à la mode, les ceintures séculaires les gars. Franchement, la panoplie, ça part très 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 bien avec cette mise à jour là. Je ne sais pas pourquoi, peut-être ça donne beaucoup de stats, on va checker rapidement. Oh, pas mal, franchement, pas mal de stats, vraiment, les gars. 50 Intel, des dommages feu, 150 vitalité, la portée, 8 crit, putain, c'est beaucoup, hein. 8 dommages critiques, enfin, 8 dommages critiques, des dommages critiques et 8 critiques, MPA, 50 agilité, 32 soins, franchement, la panoplie est super, super bien. Donc voilà, comme d'habitude les gars, on va profiter le maximum. J'ai combien de Kama sur moi? J'ai combien? J'ai 5 400 000. Je vais crafter deux, comme d'habitude, deux ceintures rapide, sympa. Donc le craft, c'est 1 800 000, un truc comme ça. J'ai la flemme de compter les gars, mais allez, on va faire quand même. 500 500, allez, 600 700,
700, 800, 800 plus, ça fait 1 750 000 Kama, 1 800 000 grand max. Donc, de toute façon, j'ai 5 400 000 sur moi, les gars. On va compter tout ça à la fin. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, je vais crafter 2. Et on se retrouve, les gars, à la fin. C'est très, très important. On va mettre quelques FM. Vous connaissez la chanson. Sinon, ça part pas, les gars. Tu dois FM tes items. Sinon, c'est chaud, les gars. Sinon, c'est chaud, ça part pas. Donc, voilà, les gars. Je vais crafter tout ça. Et on se retrouve juste après. Les gars, donc voilà pour le craft, c'était rapide, j'ai crafté les deux, donc rien de spécial. On va juste quitter ça et on va commencer la FM. J'espère que ça va être rapide, j'espère que ça va pas être chiant. On a pour c'est pas jeu d'hommage, pardon les gars, c'est où, c'est corps d'hommage, attendez, jeu d'hommage, voilà, corps d'hommage. Donc on commence tout de suite, les gars. Ceinture, on a quoi? On a 63 intelligence, donc 7 critiques, la portée, c'est déjà, on est top les gars, c'est déjà top. On va juste mettre ça 10. Les dommages critiques, est-ce que c'est, je pense que c'est intéressant de mettre les dommages critiques quand même les gars, donc j'ai pas sur moi, j'ai la flemme d'aller acheter, donc on va laisser ça à 13 pour l'instant. On verra après, donc on est bon. Par contre, 63 intelligence, c'est chiant. C'est super chiant même. Allez, yes. Oh, la portée, si ça passe, on crit, les gars. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, yes, les gars, yes. Donc, on a 51 moins 3, ça fait 48. Donc, on a 48 depuis, ça c'est 5. 48 moins 5, ça fait 43. 43, donc déjà on va mettre 2. 43 moins 10, ça fait 33. 33 moins 10, ça fait 23. Ça c'est combien? Ça c'est 15. Franchement, je vais acheter 10 là, les gars. Je vais acheter les runes critiques rapidement pour mettre au moins une rune, les gars. Pour les dommages critiques, donc ça sera 14 dommages critiques, c'est super cool sur 15. Les docrit, on va juste cliquer sur l'item comme ça. Les dommages critiques, voilà, les dommages critiques, je vais acheter, allez, je vais acheter 100 quand même. Allez, on s'en fout, on va compter tout ça après. Donc c'est corps dommage juste ici. Donc on a 22 depuis, les gars, 22. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Franchement, le G, ça a l'air super cool. Yes, c'est on crit, donc on a toujours 22. Déjà, c'est combien depuis ça? Ça c'est 5, ok. Les restes 10, le soin, on s'en fout un petit peu. Des dommages feu, la portée, cette critique, 80 intelligence, donc vitalité, je vais mettre 2. 2 secondes, yes les gars, il nous reste une. Allez, passe. Non, malheureusement pas. Bon, c'est très très bon jet les gars, franchement. Ça a l'air super super sympa. Donc voilà pour le premier jet en même pas une minute. Franchement les gars, même pas une minute. Donc voilà, on passe. On passe à la deuxième ceinture. Ça c'est 10. Les dommages c'est 10 bien sûr. Les restes 10. Les dommages critiques 14 minimum. 14, 10, 10. Une portée. 7 critiques par contre. Ah, j'ai pas vu ça les gars, c'est 7 critiques. C'est pas grave, on va juste remettre ça et ça, et ce sera bon. Donc 14, 10, 10, 7, 39 agilité, on s'en fout. L'intelligence, par contre, je vais juste mettre quelques vitalités. Après, on passe à l'intelligence. Parfait, on est bon pour la vitalité. Je pense que je vais mettre 10 et ce sera ok. Hein.
Voilà, on est bon les gars, c'est fini en même pas une minute. J'abuse pas les gars, mais vraiment même pas une minute à faire ce jeu là, presque un jeu parfait. Parfait, je parle des runes intéressantes les gars, je parle pas des fouilles et tout. Donc t'as compris quoi. Donc le jeu, 67 intelligence sur 80, vitalité presque parfaite. 39 agilité sur 40, 48 sagesse, on s'en fout un petit peu, 7 critiques sur 7, la portée, les 10 dommages et les 10 résistance R. Donc voilà, voilà pour la FM les gars, c'était super super facile à faire. Donc franchement très 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 bon astuce quand même. Bon les gars, pour le craft et tout, on va compter, j'avais 5 millions 4, moi il me reste combien, on va compter les runes quand même les gars. 1 million 7 moins 1 million 7 1 million 7 oui, donc le craft c'est 3 millions 7 les gars, le craft donc divisé par 2 c'est combien, 1 million 8 les gars. Bon le craft c'était 1 million 8 pile les gars, plus j'ai acheté 100 000 comme les runes, donc le craft c'était 1 million 8. Donc 1 million 8, on va juste remettre ça, 1 million 8 fois 2, ça fait 3 millions 7. Donc allez, on va checker combien de commandes on va faire. 1, j'espère au moins les gars, on dépasse 1 million. Si on dépasse 1 million, c'est vraiment cool. Déjà, c'est vraiment cool, 1 million de commandes en 5 minutes, sans casse-tête, ni rien du tout, c'est vraiment sympa par contre. En plus de ça les gars, la panoplie circulaire ça part très 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 vite, donc sans aucun problème. On a déjà pour combien, 2005, on a pour 2005 le G, j'ai mieux les gars, franchement j'ai mieux. Il a juste 3 résistances terre, je pense on s'en fout un petit peu hein. On s'en fout un petit peu. Pourquoi il y a chaque fois les deux résistances terre les gars, je crois la panoplie ça donne pas beaucoup de rester, donc je ne sais pas. Mais par contre les gars, les dommages, les res et tout c'est nul hein. Donc on va 12 dommages, bon, c'est un bon jet les gars, 2005. Par contre la vitalité je vais le mettre à, attendez, 2005, non, 2 millions 5 toujours. Putain, mais 2 millions 5. Sûrement quelqu'un a crafté 10 direct, les gars, comme ça. Il a tout mis à 2 millions 5. Non, non, non. Je vais pas le mettre à 2 millions 5. Voilà, un bon jet. Très, très bon jet, les gars. Donc, à 2 millions 6, je vais le mettre. Celle-là, à 2 millions 6. Elle est où? Voilà, celle-là, à 2 millions 6. J'ai quand même un petit peu mieux, les gars. Un petit peu mieux. Attendez juste, je vais checker un truc. J'ai quand même un petit peu mieux les gars, mais allez, je vais le mettre à 2 650 000 km. On va juste sortir une autre calculatrice, 2 650 000 km. Parfait. Plus l'autre à l'autre à je ne sais pas. L'autre c'est quoi, un bon jet, franchement un bon jet les gars, très très bon jet. Je vais le mettre à 2 millions 5, allez les gars, à 2 millions 5 sans casse-tête ni rien du tout. Donc plus 2 millions 5 ça fait combien, attendez, ça fait 5 millions 1 divisé par, enfin divisé moins 37000. Voilà, ça fait 1 million 4 de BNF les gars. Franchement, très 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 bon astuce quand même. Sachant que ça va partir très très vite les gars, sans aucun problème. De toute façon, l'épreuve de vente, comme d'habitude, dans la prochaine vidéo. Donc voilà, voilà les gars pour la vidéo. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo pour le concours de 1 million de Kama. Et n'hésitez surtout pas à abonner sur la chaîne pour d'autres astuces Kama sympas comme celle-là. Donc voilà les gars, allez on passe maintenant au tirage au sort. D'ailleurs good luck pour les participants. Re les gars, donc voilà voilà, c'est le moment du tirage au sort. Donc on a 23 participants, s'il te plaît les gars, regardez bien votre nom. Je vais juste checker, normalement on n'a pas les doublons, donc
Normalement, on n'a pas les doublons. Non, les gars, on n'a pas les doublons. Donc, s'il te plaît, les gars, regardez bien votre nom. Donc, voilà. Je vous laisse 3 secondes pour checker votre nom et tout. Je vous rappelle, c'est 1 million de Kama à gagner sur le serveur Télésia. Mais les gars, s'il te plaît, MP-moi sur le jeu ou bien envoie-moi un email. Je mettrai mon email dans la description. Comme ça, je peux voir la notification. Des fois sur YouTube, je vois pas les notifications ou bien je ne sais pas, les gars. Je vois pas les notifications, je ne sais pas pourquoi. Par contre, avec Gmail, j'ai toujours les notifications. Donc, si tu veux récupérer tes Kama vraiment rapidement, MP-moi, envoie-moi un email. Donc, voilà les gars, pour votre nom, on va commencer directement. Et le gagnant, ça sera... Aïe, 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 les gars, le suspense, j'adore. Le gagnant, ça sera qui? Aïe, 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 aïe. Hadwinks, GG à toi mec, si tu regardes la vidéo, s'il te plaît, MP-moi sur le jeu ou bien envoie-moi un email. Donc je vais juste copier votre nom comme ça, copier, donc c'est fait. Donc voilà les gars, comme je disais, je mettrai mon email dans la description, mon nom dans la description. Si tu veux récupérer tes camas rapidement, MP-moi le plus vite possible. Donc voilà les gars pour la vidéo et GG encore une fois à Hadwinks. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine.